Non, je suis mort, putain. Elle était tellement express si je la mettais. Oh, c'était un viol. C'était un viol. Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare pour la classe la plus surcheatée qui existe de la saison 2 sur MW. C'est une dinguerie, c'est une classe que je n'arrête pas d'utiliser et que je surkiffe, franchement que je surkiffe. Avant de vous laisser avec l'explication de classe et évidemment l'illustration de la classe, je te laisse t'abonner si tu es un grand fan de Call of Duty, parce qu'on va tout faire ici, que ça soit du Modern Warfare 2, que ça soit d'anciens Call of Duty, enfin bref, tous les anciens Call of Duty et les nouveaux, et on va faire plein de vidéos dessus, évidemment, avec du gameplay, de la nucléaire, des plus de 100 kills, tout ce qu'il faut sur la chaîne, donc n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau, et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu si on pouvait atteindre plus de quoi. Allez, franchement, si on pouvait atteindre plus de 1000 likes, ça me ferait extrêmement plaisir pour le gameplay, étant donné qu'on va se retrouver pour un 56 de ratio. 56 de ratio plus nucléaire, mon pote. Et en solo, dans le nouveau mode de jeu, qui est dans la guerre terrestre jusqu'au coup, où il n'y a pas de tank, donc je vous recommande fortement. D'ailleurs, le live a été réalisé sur Twitch, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, ça sera dans le commentaire épinglé, de nous suivre, on est de plus en plus, il y a une bonne ambiance sur les lives, etc. Puis c'est là qu'on fait mal, c'est là qu'on sort des gros gameplay et tout ce qu'il faut. Enfin bref, tout simplement, en expliquant la classe, je vais juste montrer un petit truc. On va voir au niveau des statistiques. Alors évidemment, faut pas trop non-stop se fier aux statistiques, mais il y a quand même une certaine estimation. Et du coup, avec la RAM 7, j'ai 2,53. Bon, effectivement, au début, c'était un peu plus compliqué de jouer au début du jeu avec la Kilo et la M4, vu que beaucoup de gens aimaient bien camper, les Claymore, etc. Vous connaissez, donc c'était un peu plus compliqué. Mais j'ai, voilà, de meilleures statistiques avec la RAM qu'avec l'AK-47, et c'est vraiment l'arme que j'arrête pas de saigner en ce moment. Je surkiffe cette arme, que je vous recommande fortement, avec une best class setup, franchement, qui est la meilleure possible pour de multiples raisons, et que je vais détailler maintenant. Donc on va commencer avec le silencieux monolithique pour rester bien évidemment discret et pour la portée des dégâts, et ça c'est super important avec cette arme là justement pour les tirs de loin, c'est vraiment le must absolu. Niveau des munitions, je recommande évidemment le chargeur de 50, évidemment. Niveau de la crosse, je repropose la crosse XRK. Alors, pourquoi de nouveau une crosse? Parce que comme j'utilise moitié SMG, moitié AR, donc comme si je l'utilisais comme si c'était une mitraillette, vu sa cadence de tir incroyable et les dégâts qu'elle peut faire au corps à corps, bah je préfère avoir une crosse comme si je pouvais me déplacer à droite et à gauche, parce que sinon c'est plutôt assez problématique, donc je recommande fortement cela. Ensuite, niveau du canon, qui va faire également toute la différence, c'est le canon XRK Ranger. Alors ça, c'est vraiment un autre truc qui va clairement faire la différence là avec cette arme là, et c'est un must, franchement c'est un énorme must, donc n'hésitez pas de la mettre tout de suite, il faut mettre avec le silencieux monolithique. Et pour terminer, la poignée arrière que je recommande avec pointillé, tout simplement pour viser plus rapidement, ce qui est fortement utile. De nouveau, c'est vraiment un must de jouer avec. Voilà, j'espère que cette petite introduction vous fera plaisir. Je vais vous laisser avec le live avec la nucléaire réalisée en solo, qui est juste incroyable. Dès le début de game, on est dedans et on défonce tout le monde. Voilà, c'était l'Octetou. De nouveau, n'oublie pas le petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Et on se dit bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Hey, il est plus chez Delim. Ah, ils l'ont mis là. Ah, ils l'ont mis là. Okay. C'est une bêtise, ça. Bon, du coup, j'ai plus pillard. Ouais, mais c'est pas grave. Vas-y, invite, je fais quelques games. Vas-y, je vais t'inviter alors. Je termine, Epigo. Si t'as envie de venir.
sait tout sur D, les bros. Enfin. Ok. J'ai plus beaucoup de mun. Ok. J'ai 23. Le problème, c'est comment tu vas avancer en fait. C'est genre pas possible. Genre, je peux pas avancer. Je peux vraiment pas avancer en fait. 25. C'est pas que je veux pas avancer hein les bros, mais je peux vraiment pas avancer. Je l'ai enfin. Nucléaire. Fucking go. Let's fucking go. Putain. J'en pouvais plus. Sur tous les Call of, j'arrivais à mettre la nuque, mais alors là. C'est fait ça. Et dans le nouveau mode en plus. Qu'est-ce que je kiffe ce nouveau mode. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien.
dans les tripes. Ah, ça fait du bien. Ah, c'est mérité. Ah, c'est amplement mérité. Je me fais... Et bizarrement, quand je suis dans un mode de jeu, il n'y a pas un mec avec un tank qui me tue. C'est incroyable. Et 56 de ratio en plus. Si ça, c'est pas beau.